Ouangani, donc ici ils s'amusent à brûler les déchets au lieu de les ramasser. Plus on entasse, mieux c'est. C'est très bien, hein, ça se passe bien. Une fois que c'est en place, ça pourrait être ramassé, on brûle. Alors ici on s'amuse à stocker partout. Hein. Bien sûr, c'est devenu une déchetterie. Puisqu'on c'est devenu une déchetterie, les gens ils jettent n'importe où. À des espaces qui ne sont pas dédiés, un vrai dépotoir. Et oui, plus on stocke n'importe où, mieux c'est, hein. Ni vu ni connu, on vient déposer. Donc Ouangani, Ouangani, je lui dis bien pour que ça soit bien notifié, hein, de la zone. Ici, les décharges sauvages, elles sont très multiples, ce qui fait que il y a une accumulation. Ça fait des années que c'est là, hein. Des années déjà. Vous vous rendez compte de l'impact écologique? Eh oui, l'impact écologique ici, c'est très pollué, c'est pollué. C'est foutu. Et ça fait des années, c'est comme ça. Et les gens, malheureusement, ils viennent passer derrière pour en jeter plus. Il n'y a pas assez, hein. Il n'y a pas assez et il faut venir en jeter plus. Donc, c'est pourri. C'est pourri, cette zone-là est pourrie. Est pourrie de décharges sauvages. On n'en parle même pas des véhicules qui sont entassés. La nature essaie de reprendre le dessus, mais difficilement. Difficilement, les amis. Ça, c'est exagéré, aberrant. Ça se fait pas pour la nature, ça se fait pas. D'accord? Il y a des déchetteries dédiées à cela. Donc les gens, ils sont incapables d'aller vers les déchetteries dédiées pour jeter leur merde. Ils sont obligés de déverser comme ça. On est insalubre, hein, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça le mot. Et oui, même le port lui-même, il est propre. Hein, parce que ce qu'on fait à la nature... On a une petite surprise ici aussi. Hein. Plus on s'étale... Plus ça s'aggrave, plus on s'étale, plus ça s'aggrave. Donc ici, on a cette zone ici là, aussi qui est devenue une décharge sauvage. Comme je dis, plus on entasse, mieux c'est. Ici, c'est devenu n'importe quoi. On ne peut pas venir ramasser ça ici. Une inspection, il n'y a jamais. Des inspections de l'environnement, il n'y a peut-être jamais. Personne ne signale ici à Ouangani qu'il y a cette zone-là ici qui est très polluée, qui a besoin d'être dépolluée. Il y a besoin de dépolluer ici. C'est pas possible de voir ça. Dans un village, c'est pas possible. C'est trop, il y en a trop. Il y en a de trop là. Ici, si on passe derrière, c'est le même tarif. Il y a carrément un QG ici. Hein. On a un QG là. C'est un QG, hein, carrément. Là, c'est un petit QG ici. D'accord. Il y en a qui s'amusent ici. Hein. Putain, il est à 4 packs de bière, quoi. 4 packs de bière. Même voire plus. Donc, je le dis encore une fois, la nature, elle est à préserver, pas à détruire. Bonne journée.